Voici Prince, 3 ans et 1300 kilos. Ce jeune reproducteur est un habitué des podiums. En 2019 déjà, il avait fini champion des veaux de l'année dans la catégorie Rouge des Prés, une race caractéristique du Maine et de l'Anjou. C'est une robe pie, on dit que c'est rouge et blanc. Il faut qu'il ait absolument le cœur en tête. Donc là, c'est vrai que c'est parfait là-dessus. Après, il faut qu'il ait les 4 chaussettes blanches. Donc là, c'est bon encore une fois. Et lui, vraiment la vraie robe, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une ceinture de blanc derrière les épaules. Donc là, ça coupe un petit peu. Donc là, de ce point de vue-là, il pourrait être un peu plus parfait. Ni trop gros, ni trop maigre, Prince a toutes ses chances à Paris. Même sa démarche est digne des meilleurs défilés. Dans l'idéal, il faut qu'il repose sa patte arrière là où il a lâché sa patte avant. Hop, comme ça. Régime spécial, balade et douche quotidienne. Le taureau est bichonné par son propriétaire. Doucement, doucement. Pierre Debosque est un habitué du salon, mais c'est la première fois qu'il ira à Paris comme éleveur. Une fierté. On sait que c'est très important de communiquer sur le métier, encore plus en viande bovine aujourd'hui. Enfin, c'est aussi pour nous un gros moment de communication. On va parler beaucoup d'agriculture pendant 10 jours, là, donc autant en profiter. Mardi soir, Prince prendra ses quartiers Porte de Versailles pour 5 jours de salon. Le résultat du concours, lui, sera dévoilé ce dimanche.